Mon souhait le plus cher et ma prière adressée au Seigneur, c'est que les enfants d'Israël soient sauvés. Voici ce que Paul écrit aux Romains. Il priait pour la conversion, pour le salut de son peuple. Jésus, à la fin de cette apparition, dit à ses disciples, à vous d'en être témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu quelque chose d'important. Et son témoignage va apporter un plus. Et c'est souvent pour résoudre un problème, pour aider quelqu'un, voire pour rétablir une certaine justice. Et si le témoin a peur, se rétracte, refuse de témoigner, la justice pourrait ne pas être rétablie. Ça, c'est dans notre monde d'aujourd'hui. Quand Jésus demande à ses disciples d'être témoins, c'est qu'ils s'étaient bien assurés qu'ils avaient bien vu et entendu. Et dans cette belle apparition de Jésus au Cénacle, après sa résurrection, les disciples, qui connaissaient pourtant leur maître, n'ont pas tout de suite reconnu Jésus. Il va leur adresser la parole. Il va leur donner des raisons pour qu'ils puissent comprendre que c'est bien lui. Il leur demande de regarder ses blessures. Ensuite, il leur demande aussi à manger. Et tout cela pour prouver à ses disciples qu'il n'est pas un fantôme, qu'il n'est pas là pour leur faire peur, mais qu'il est bien ressuscité. Et pour qu'ils s'assurent qu'ils ont bien compris. Parce que c'était important pour Jésus que ses disciples rendent témoignage de quelque chose qu'ils ont bien vu et entendu, bien compris. Pour que ce témoignage ne soit pas altéré. Et pour que ceux qui écoutent ce témoignage soient au plus près de la vérité annoncée par les disciples. Aujourd'hui, nous sommes dans la même mission que Jésus confie à ses disciples. Être ses témoins. Et pour pouvoir rendre ce témoignage, comme les disciples, nous avons aussi besoin de voir, d'entendre, de connaître notre Maître. Ainsi, nous ne rendrons pas témoignage de nous-mêmes, mais de celui qui nous a envoyés. Il ne s'agit pas de défendre des idées quand on est chrétien, des valeurs, même s'il y a de très belles valeurs. Il ne s'agit pas de prendre des positions intellectuelles, philosophiques, mais il s'agit de rendre témoignage. Et un témoignage authentique ne peut être authentique que si le témoin a bien vu et a bien entendu. Alors, comment les chrétiens sont vraiment témoins? Par transmission. Nous parlons de la transmission de la foi depuis les apôtres, eux qui étaient les premiers témoins, mais cette transmission de foi, qui se traduit par des mots, c'est quelque chose aussi de vécu. Si les parents transmettent cette vérité de la foi à leurs enfants, c'est parce qu'ils sont bien convaincus de ce témoignage. Parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont expérimenté cette foi. À nous d'en être témoins, c'est-à-dire à nous de commencer ou de continuer à voir et à entendre le Seigneur.
à privilégier des moments pour être au plus près de lui, pour que notre témoignage soit authentique. Il ne s'agissait pas de la qualité morale de ses disciples, parce qu'on a vu que chacun avait son caractère, du plus téméraire au plus peureux. Ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était le message qui a été transmis. Et donc, qui qu'on soit, nous pouvons aussi, à notre tour, rendre ces témoignages, parce que nous ne témoignons pas de nous-mêmes, mais d'une vérité qui nous dépasse. Jésus parlait de l'accomplissement des Écritures. Si l'Église continue à garder ce que nous appelons l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, si nous le lisons à l'église, à la messe, c'est parce que pour nous, il s'agit de la révélation, tout comme le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament accomplit plutôt l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui s'accomplit par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est très important de garder cette histoire de la foi, de la lire et de la comprendre, et d'essayer de se mettre au contact, d'être vraiment le témoin, comme je disais tout à l'heure. Dans le texte du Deutéronome qui a été dit tout à l'heure, il s'agissait de Moïse et de Josué. Et après Josué, on a vu qu'il y avait aussi Lévi. Donc, des personnages de l'Ancien Testament qu'on ne connaît pas nécessairement si on ne lit pas dans la Bible. Vous savez bien que Moïse, c'est celui qui va prendre la mission de faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte, donc la libération de ce peuple, mais qui ne va pas réussir à entrer dans la terre promise. C'est Josué qui va continuer après Moïse. Et une des tribus d'Israël, il y en avait 12, les Lévites, c'était les prêtres de ce peuple. Et tout ça, on le connaît, on le comprend plus facilement en ouvrant notre Bible et en lisant dedans. Alors je vous encourage, vous qui souhaitez être témoin du Seigneur, à être en contact avec sa parole et à lire l'histoire du salut. Nous rendons grâce au Seigneur qui a voulu passer par des témoins, par des êtres humains, aussi faibles qu'ils soient, pour transmettre cette vérité du salut. Je rappelle la phrase que Paul avait écrite aux Romains, « Je prie le Seigneur pour le salut ». Donc notre témoignage, si nous le rendons, ce n'est pas pour accroître le nombre des chrétiens, ce n'est pas pour être plus fort que les autres qui pensent autrement, mais c'est par souci de salut, c'est par amour pour l'autre, qui qu'il soit. Au Seigneur la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. إخوتي الأحبة الإنجيل اليوم بيخبرنا عن ظهور المسيح بالعلية لتلاميذه وكيف كذا مرة بيبرهن لهم أنه هيدا هو ومنه شيء بيخوف شيء شبح بيخوف وحتى ليتأكد أنه فهمه مزبوط وقادرين يكونوا شهود عطاهم كتير من الأدلة الحسية فرجيهم جروحاته أكل معهم عطاهم دليل حسي وهيك تلاميذه بيقدروا هن اللي عندهم دليل حسي يشهدوا لشي شافوه وسمعوه لحقيقة تتخطى شخصيتهم وأفكارهم وإذا هن منيح ولا مش منيح المسيح ذكرهم أنه هو إجا يكمل الشريعة فإذن مع المسيح الشريعة وصلت أو نحن بنقول الكتاب المقدس العهد القديم وصل للكمال بيسوع المسيح شوي شوي ربنا علم شعبه كيف يوصل للخلاص ودورنا نحن مثل ما بيقول بولس نكون شهود مش كرمال نزايد حدا أو نقول له أنه نحن بنفهم أكثر منك أو نحن إيماننا أحسن منك أو أحسن من اللي بتفكره ولكن بهم خلاص النفوس محبة بالأشخاص بالناس مش تحدي للديانات
وللأفكار يلي ممكن نعيش معها. من رب المجد للأبد. آمين.